La Minute Psy, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous montrer ce livre que j'ai acheté qui s'appelle Mon carnet de coaching 100% bonheur de Raphaël Giordano qui est coach et consultante formatrice. À chaque page, il y a un mot. C'est par ordre alphabétique. Je vous montre un petit peu, vous voyez. Alors, ce que je vais faire, je vais ouvrir une page au hasard. Je le fais devant vous. Alors, là, hop là, donc une autre, ça sera mieux s'il y a un mot, sinon, et voilà, on va prendre celui-là. Alors, c'est sur l'optimisme. C'est marqué, l'optimisme, c'est essayer de voir le positif, même dans les situations les plus noires. C'est croire que tout peut s'arranger d'une manière ou d'une autre. Avoir confiance en soi, en ses ressources. Et pourquoi pas en l'univers. Bien sûr, l'optimisme ne résout pas tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est simplement un état d'esprit positif pour faire face et passer sereinement à l'action. À l'inverse de l'angoisse qui va plutôt tétaniser. Après, il y a une petite, un petit soleil où c'est marqué « à méditer ». Et c'est marqué donc « un pessimiste fait de ses occasions des difficultés et un optimiste fait de ses difficultés des occasions ». Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous parle? Après, il est conseillé de répéter aussi souvent que nécessaire « J'ai confiance en moi et en l'univers » pour faire face et rebondir. Je vous laisse réfléchir à cet optimisme. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la Minute Psy. Au revoir.